Et voilà, il a plu dans le Gard, dans l'Hérault, partout. J'espère que ça puisse aider les pompiers à éteindre les incendies. Voilà, donc ça puisse aider les pompiers, c'est ça qui est bénéfique. Il faut respecter la nature, les bois, les forêts, il faut respecter. Et après, parlant de, comment ça s'appelle, de l'autre, de la gonzesse, que j'ai eu que des problèmes toute ma vie avec elle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle me cherche. On fait des dédicaces à la télé. Enfin, tout est fait pour mettre dans une ambiance de colère. Pour mettre dans une ambiance de colère. Puis je ne mettrai plus de colère après, là, tu vois. Au moins, comme ça évitera le cataclysme sur le Gard, avec le barrage CCC, là. Non, je même pas. Parce que de raconter des histoires anciennes, c'est gonflant. C'est gonflant. Et on s'en fout de ma vie. On s'en fout. Voilà. Il faut laisser tomber ça, c'est des histoires. Des histoires. Je suis mort en 1994. C'est pas. J'ai été sauvé par la Sainte Vierge. C'est pas. Mais elle a paru dans mon garage, alors. Je crois à la Sainte. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Elle m'a sauvé la vie. Je suis miraculé. Il faut arrêter de parler de ça, quoi. C'est. Voilà, donc. Donc, à part à elle, qu'est-ce que je veux lui dire? Qu'elle est tombée. Voilà, donc. Ça sert à rien, d'abord, je sais, ça sert à rien. Je sais pas à quoi ça y sert. À rien. À rien du tout. Voilà, c'est des gens qui manipulent derrière pour provoquer des cataclysmes météo. Il faut que ça s'arrête. Hein, voilà. Après, l'épisode 7, c'est comme ça, c'est la nature. J'ai téléphoné à Public Service et j'ai dit les choses sérieuses commencent à partir du 15. Hein. Du 15 août. C'est-à-dire que mercredi, qui va arriver dans la semaine, là, ça sera beaucoup plus important. Mais voilà, donc. Voilà, donc la pluie arrive, voilà. Mais les sols sont secs, hein, il faut qu'il a. Que les barrages, les rivières remontent, quoi. Donc, voilà. Les barrages d'eau remontent à leur niveau. Bref, que la nature respire. Voilà. Que le stress hydrique, il faut qu'elle respire. Voilà. Merci.